Un demi-siècle d'existence et pas le moindre essoufflement pour le Tavagna Club. Depuis 1967, il s'attelle à maintenir le lien social dans le village de Talazane. À l'aube de la révolution hippie, ce groupe d'amis alors étudiants veut freiner la désertification rurale. Pièces de théâtre, concerts, activités sportives s'en suivent 50 ans d'efforts pour revitaliser la micro-région. C'est en restant ensemble qu'on redynamisait, parce que ce noyau qui était au départ très, très uni, il y avait des accointances comme il y en a de partout. Et pour continuer à rester ici, eh bien, nous sommes, le mot peut être un peu fort, mais il me vient comme ça, réapproprier la Tavagne jusqu'au nom de la pieve qui avait disparu. Cette soirée d'anniversaire, l'occasion pour ces pionniers de se remémorer des souvenirs. 77. Ouais. Aujourd'hui, la philosophie est restée la même. Il a juste fallu s'adapter aux évolutions. C'est dans un monde nouveau, avec des rapports nouveaux, qu'il faut s'atteler à tisser des choses qui vont pouvoir construire des lendemains avant tout solidaires, parce qu'il nous semble que le monde dans lequel nous évoluons en a grand besoin. Création d'emplois, animation, l'initiative dynamise l'économie locale et fédère les villageois attachés à leurs racines. C'est un point de ralliement, le club, c'est un point qui a toujours réuni les gens. Mon mari était du village et je crois que c'est l'endroit qui m'a permis de faire du lien avec la Corse et avec les gens de Corse. C'est important de partager les valeurs de la Corse. Ben ouais. Avec 300 000 euros de budget annuel et des événements programmés tout au long de l'année, l'aventure associative est un franc succès. Le Tavagna Club semble promis à un bel avenir.